Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir après-midi pour nous là avec vous. Moi-même, c'est Gibson et Lisson Osirus. Et m'accompagné de Maître Wilner Yves Simonis. Après-midi, là, nous allons traiter un sujet qui est vraiment important. Un sujet qui est assez intéressant. Un sujet d'actualité. Qui sujet lié, c'est la famille face à la sexualité. Donc, à point de nos jours, la sexualité est même elle est partout. Elle est dans tout environnement, elle est dans tout entourage. C'est-à-dire, la sexualité a même elle est dans mi-temps la vie. La sexualité est au cœur de notre vie. Femme dit-nous en passant que, en pile fois, nous nous confondons sexualité avec le coït ou bien relation sexuelle. C'est deux bagages différents. Deux bagages différents. Lors de la sexualité, on a, par exemple, si m'apprécie intel, là dans la sexualité. Moi, intel, moi dis bonjour, c'est de la sexualité. Maintenant, le sexe, malgré, ou bien relation sexuelle, malgré ensemble de ravages qu'il a fait dans le monde, dans la famille, l'irrité jusqu'à présent, il y a un sujet tabou. Sujet tabou, à qui ça lui dit? C'est un sujet côté que tout le monde ne peut pas le dire. Même pas caché de Dieu, pas de monde qui fait en dehors de nos relations sexuelles. Sauf Jésus. Je dis, est-ce que pas Jésus, est-ce que c'est pour notre forme de relation sexuelle? Jésus, Adam. Adam? Eh bien, ok, d'accord. Ça veut dire que l'on veut ou non, pour le monde fait la passer par chez le ça, par relation sexuelle, côté que papa te joint avec maman, yon côté dans le lieu. Mais pour marquer influence, sexe a gagné, nous allons partir sur un angle qui va le web médial. De nos jours, tout passe par le sexe. Tout bagaille passe par le sexe. On regarde dans la télévision, il y a fait une réclame pour une machine qui s'est à côté de cap danser de toi, Timidam, cap danser. Ça veut dire qui ça? Depuis, ou qui machine, ou qui femme. Ou qui annonce des boissons, vous voyez, dans l'image, ou après, soit fille là, ou bien garçon, hein, mettons, doit être possible comme s'il a descendu sous vêtement. D'accord? Ça veut dire, toute bagarre qui a essayé d'entrer dans le monde, là, est passé par le sexe. Ou qui a des empiles maladies qui a plongé le monde là, par le sexe. Donc, sexe là lui-même, il est tout côté. Maintenant, chaque bagaille qui existait, qui n'a pas étudié, lui a attribué à une science. Je tiens à parler de sexologie comme science. La sexologie, c'est ouais, comme une science qui étudie question relation sexuelle ou bien globalement qui est ouais, la sexualité. Mais définition de sexualité à parler l'agir, c'est là que on va tenir compte d'un ensemble de dimensions
qui entre dans le domaine. Gagner dimension psychologique, gagner dimension affective, gagner dimension cognitive, gagner dimension biologique, gagner dimension morale et tout gagner dimension socio-culturelle. Ça veut dire depuis une question de sexualité, même genre. Depuis le premier jour, nous disons que le mental là est vraiment important. Le côté psychologique. Côté psychologique là, ou bien dimension psychologique là, qui ça lie? À qui ça l'attribue? Donc, je dis que dimension psychologique là, est attribuée, ou bien correspond à ensemble des aspects liés à l'identité sexuelle, à l'estime de soi, par exemple, à l'élaboration de l'image corporelle et à la mise en place de la fonction érotique. Identité sexuelle là, qui s'allie? Il y a dit pour ça que c'est perception ou sentiment subjectif qu'a une personne de son appartenance à un sexe. En créole, en bon cœur, qui s'allie dit? Identité sexuelle là, c'est moun nan qui choisit de dire li c'est femme ou bien li c'est garçon. Ça veut dire qu'on marche dans la rue, ou bien ou la carou, dans la famille ou bien petite fille, gado, li dou, li pas fille, li c'est garçon. C'est identité sexuelle. Pour ça, tout ou kawaye. Nèg la poje nason, li dou li se fan. Et li comporte tant que se fan. Est-ce qu'on va le bail pour ça? Est-ce qu'on va le caler? Bah, on est. Dimension affective, lui-même lui inclut ensemble de perceptions, des sensations et l'expression des sentiments et des émotions de l'être sexué et sexuel. Donc, c'est qui ça, mon âme? Lui-même lui ressenti. Si par exemple, moi dis moi mais un tel, moi mais un tel, donc, j'ai un sentiment, mon bagage que je senti, qu'a dégagé pour lui. Ça, c'est une dimension affective. Mais, dimension cognitive, là, quant à lui-même, lui essaie, ouais, façon que mon âme concevoir sexualité et l'y agir dans ce sens là. J'en dis, ouais, tête li, j'aime te dire tout à l'heure, regarde, mon âme pense ces garçons, mais dans tête mon âme, c'est une fille. C'est ça qui fait de nos jours qu'il y a un pile forme qui va remplir, va pouvoir marquer masculin, féminin, autre. Alors, on va voir vous-même, pendant que vous avez plus forme ça, et puis même à tomber côté qui autrement. Pour ne pas parler de l'autre, qui sont vous? Qui sont choisis? Qui est mon qui a mis l'autre, il va fini, garçon. D'accord? Il a dit, il va ni fini, ni garçon. La dimension biologique, les mêmes lits fondés sur caractère sexuel génétiquement programmé. Par exemple, pour les filles à fait, nous connaissons que génétiquement, la gain et comment ça s'appelle? Test. Voilà. Prends-le, parce que l'anglais n'est pas trop bon. Le testostérone. Merci. Donc, ça veut dire. Biologiquement, on va regarder les deux petites filles qui ont les possibilités. Ces petits garçons, après que ce n'est pas gros. Sauf si tu as une déviation hormonale. Les petits garçons jeunes, mais plus de ténèbres, sont déviation hormonale. Un dérangement qui fait dans la question hormone.
dimension socio-culturelle, lui-même, lui essayer gagner ou bien chercher rôle sexuel. Idée qu'a dégagé dans la société. Ensemble de principes, ensemble de règles et comportements qu'a dégagé dans le milieu culturel. Donc, la sexologie est capable de définir comme étant étude scientifique du phénomène sexuel. Et lui permet tout que vous étudiez tout ça qui vient à voir avec sexualité. Puisque c'est une science, mais qui bulle, mais qui est trois grands buts, c'est l'essayer de chercher à comprendre le comportement sexuel et sexuel, l'essayer de prédire le comportement sexuel et sexuel, et finalement, l'élaborer des moyens d'intervention par l'utilisation des connaissances scientifiques. Ça veut dire, nous sommes capables de voir que sexe-là lui-même c'est un facteur de changement. C'est un facteur de changement. Donc, sexe-là est représenté pour être humain un élément qui est très très important et sans aucun prétexte. Ou pas qu'à vivre sans lui-même. Entre temps, on va quitter nous avec le professeur Wilner pour la suite. Merci Gibson. Nous saluons chaque monde, nous saluons tous les internautes qui ont suivi nous en direct à belle conférence. Donc nous souhaitons bienvenue tous. Nous remercions par son approche Gibson Yo Aléa, il automatiquement tout présente nous sexologie, parce qu'il y a un qui tendait parler de ça là pour la première fois. Il va connaître une science qui étudie et sexe. Donc, je veux dire, nous connaissons c'est sexologie. Et pour nous donner une autre information, pas de lien, je veux dire, parce que le monde tellement évolué, tellement il y a phénomènes qui a découlé autour de nous-mêmes. Que par gagner une branche qui est à lui-même. Et même accident qu'a fait au cours de la route, il y a une science qui est étudiée. Accidentologie. Yes, yes, c'est pour tout pareil, je venais de dire. Donc, pour raison ça, nous-mêmes en tant que sexothérapeutes, et nous tiens ce que nous sommes capables de présenter ou ça, comme nous de faire, nous sommes capables de faire une éducation qui est plus éclairée de la sexualité. Et je voulais faire un petit recul parce que l'aspect plus général, il y a déjà touché là avec Gibson. Je voulais montrer nous que la sexualité, du fait que c'est une dimension dans la vie monde et que il reflète chaque dimension, chaque et endroit nous-mêmes. Et Jean Gibson t'a dit nous, même non nous gagner, c'est parce que depuis un vent de fait un test. Avec un appareil, comment était ça? Il y a un appareil qui passe souvent pour madame. Ah, bah c'est notre téléphone. Sonographie, il y a un mec qui sexe ou. C'est sexe ça qui peut faire que les parents commencent à chercher un nom pour balle. Ça veut dire que sexe là, il y a un rôle qui est important dans la vie. Donc, il y a un monde qui était fait avec appareil génital garçon et que. Le film grand, il ne choisit pas garçon encore. Il fait une opération, il change l'organe avec une opération chirurgicale et esthétique pour que il soit capable de gagner une vulve qu'on a là ou bien une bouboune si nous voulons en créole. Donc, lui, même tout le monde change de nom. Parce que si nous avons le même, il y a un autre monde pas qu'à encore. Comment vous voulez? Ah oui, là. Je ne sais pas si l'autre monde, donc je ne sais pas si j'ai un peu. Vous comprenez? Donc, automatiquement, du fait qu'on parle même genre là encore, on doit changer de nom. Ça veut dire, non, nous, il détermine le même sexe, nous. Ça qu'on parle de sexe masculin, sexe féminin. Et au Cameroun, ça a gagné presque 10 ans, il y a une demoiselle qui déclare être qui asexuée, donc il ne dit pas de sexe du tout. Donc ça, il faut que nous habituions avec ça.
Je ne j'en dis pas. Ça qui a préoccupé chaque parent, c'est qui ça a pu parler avec ces gens sur la sexualité. Il y a un monde qui voit ces Français, j'ai tout parlé là, même sans que l'État présenté. Parce que tu as parlé de bagage qui est très nouveau. Mais on nous pose des questions. Qui sont capables de dire à petit moi sous sexualité? Comme il enseigne une société que nous devons être en relation, nous devons parler de tout bagage. Tant que l'argent, l'amour, relation, sexualité, construction, éducation, nourriture, tout bagage. Parce que notre travail n'a fait comme parents, yo. Si nous ne parlons pas de choses, nous ne pouvons pas découvrir le mal. Et tout ça, nous découvrir et que découvrir le mal, il est capable de subir conséquences là. Et c'est une raison qui fait que je dis, et gagne pile cas qui a produit qui lié à la sexualité, des phénomènes. Exemple, phénomène d'abordage, ce phénomène psychosocial, capable de dire tout. Il n'est pas seulement social, mais psychosocial et sexologique. Donc, parce que vous dénigrez mesdames, vous dénigrez monsieur, vous dites des choses vulgaires. Mes parents, vous ne pas dire rien dans ça. Mais maintenant, qui est capable de dire tout le monde? Nous sommes capables de dire un pile bagay. Seulement, il faut que nous connaissions. Si nous sommes différents de grand monde. Comment on fait différent de grand monde? C'est parce que les bagay pour comprendre. Mais il y a observé puis vous comprendre. C'est ça pour le fait que vous pouvez mettre mon il y a des couchés en l'œil au chita, puis vous allez et puis vous campez au marché. Ce n'est pas observation que ça vous fait tout. Ça nous met le développement de Timon. Ce n'est pas seul Timon qui grandit comme pied bois, mais tout corps grandit physiquement et psychologiquement. Il est développé, sexuellement, il est développé. Pour raison ça, il faut que nous connaissions comment nous aborder ce sujet ça avec Timon. Aborder le sujet sexualité avec Timon, il y a plusieurs dimensions. Qui Timon nous gagne? Je suis fait une conférence, je me suis posé une question. Je me suis dit, comment tu as fait parler de petit garçon qui a 6 ans de sexualité? Et il y a des gens qui attendent une réponse. Eh bien, la sexualité a commencé depuis la relation que nous avons menée, la relation entre parents et enfants, entre enfants et parents. C'est apprendre à apprécier les gens. Dis bonjour, même. Ça, c'est base pour commencer à faire éducation sexuelle de Timon. Qui sujet vous pouvez aborder avec un Timon qui peut avoir 12 ans? Il y a plusieurs sujets vous pouvez aborder avec. Par exemple, comme c'est moi-même. Éduquer Timon dans ça, la connaissance, c'est lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas que l'autre monde, vous n'avez pas de droit pour lui. Vous n'avez pas de autorité sous col que lui-même. Et c'est ça qui peut empêcher si vous savez pour que vous ne pas manipuler, pas toucher, pour grémesser, pour capable violer. Parce que la parole dit non, pas toucher comme c'est pour moi. Ça, c'est très simple pour dire n'importe qui. Qui a 4 ans. Quand on dit non, comme c'est lui-même. Et le cas va identifier Col. Quand on dit qu'on est comme. Montrez mes yeux, mes têtes, moi-même, voilà. Parce que, il conseille le grand monde, si on a un problème dans l'appareil génital, même yo, même pas comment on dire le monde ça. Parce que ça paraît gênant, il paraît que j'aime dire ça. Parce que pour lui parler de Col, c'est bêtise. Quand nous pas bêtise, parce que selon Genèse, chapitre 1er, tout ça vous faire, qui ça les dit? Li? Bon. Qui bon? Donc quand nous, il y a un bagage bon par bêtise. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout le monde apprenne à connaître. Il y a un bagage que les parents ont fait,
sous Timounio a grandi, il n'y a pas qu'on explore quoi, par exemple, on empêche. Par exemple, Timounio a grandi, il a joué dans un petit coucou. Par exemple, il n'a pas joué là-dedans. Vous faites deux bagailles. Vous violez parce que vous frappez. Deuxièmement, vous gâchez pour ne pas qu'on école. Et puis, quand on a fait qu'on est là, du fait qu'on vient un problème pour lui, il est zéro pour le garder qu'on est là. Donc, ça fait nous devons comment nous pouvons aborder le sujet avec Timounio. Si Timounio a fait ça, par exemple, sous la cour, quand on dit non, vini, et puis, on est capable de jouer avec, de montrer, et puis, on changer le sujet, on est capable de reprendre avec un objectif avec. Ils ne sont pas tapés. Parce que par exemple, nous n'avons pas de mots pour nous exprimer, nous taper. Tout ça, nous n'avons pas de mots pour nous exprimer en Haïti, nous taper. On coup de fouet, on coup de sandales, on calotte. Donc, et puis, du fait que moi qui ai un corps qui est pour moi et que je connais un corps, troisièmement, moi qui ai besoin qui est lié à moi-même. Qui a besoin de mon carrière? Il a besoin de mettre grade. Il a besoin de physiologie pour faire toilette. Pour faire toilette, il y a une autre dimension. Il est capable de faire toilette comme bain, il est capable de faire caca. Aller dans la toilette. Ça, c'est besoin. Il doit manger, il doit boire. Si nous éduquons ça, nous n'avons pas besoin de faire ça pour bain. Parce que, on prend un problème qui a nourri, c'est parce que pas congène pour nous aborder ce sujet. Et l'éducation sexuelle, l'on fait là, il y a un petit monde qui a 4 ans, il va, il va aller devant poker. Ou commence à prendre l'ichita, tout côté pour faire besoin physiologique. Ou bien une toilette, si vous pouvez cacher dans la toilette, vous mettez dans la chambre. Il parle depuis tout petit, il va apprendre à exciter le corps de monde. Exciter veut dire, il va le corps de monde. Parce qu'il faut bien l'esprit. Il est bien dans la rue, sans culotte, sans slip. Il faut nous apprendre à protéger le corps de monde. Si vous êtes toujours dans la sécurité, parce que vous n'avez pas un rôle, c'est de mettre un espace de sécurité pour tout le et puis, il y a une question que vous avez posée. Papa, comment faire là? Parce que j'ai Astriel qui t'a posé la question, ça, elle est petite. Comment faire là? Comment faire fait? Et c'est une question que tout le monde m'a posée. Si pas posé pour lui, il t'a dit, il y a un bon couvent. Ou bien, même maman, il t'a dit, comment bébé fait là-dedans? Il faut que nous ayons des sens pour nous expliquer. Nous ne pouvons pas mettre tout le détail, mais il faut que nous montrions les choses simples. Tes compagnons te posent des questions, ça te dit, il fait ça très simple. Petit a tenu 6 ans, bon, nous avons tenu 6 ans, 4 ou 5 ans. Il dit que ça te dit, il a posé des questions parce qu'il était couvent. Il dit, ok, mais comment ça te fait? Moi-même, avec papa, nous ne sommes pas famille. Ou pas, ouais, une grande mamie, pas pour une mamie. Ça veut dire que nous sommes dans deux familles différentes. Et puis, il y a l'un que nous rencontrons, et puis nous avons aimé l'autre, nous avons un sentiment partagé entre nous. Ça veut dire que nous courant. Et puis, on l'a nous marié, pendant nous marier qu'on est là, nous pas deux amis encore, nous venons marier avec madame. Maintenant, comment on fait? C'est pendant nos amis, nous bien comme ça, et puis nous il y en a un grand bras, c'est l'autre. Et puis nous sentons bien pour nous yoncer, bien fort. Et puis l'expliquer, et puis voilà. Mais ça, j'étais passé. Et puis là, m'expliquer ça, il vient à serrer bien fort. Puis là, oui. Parce que nous comprenons. C'est ça, t'as ton ami. Si t'es bien menti, t'as dit, quand t'es menti tout. Ça veut dire, ouais, là, m'a caché bagarre à Timounio. Et c'est. Parfois, question, il pose parce que y a une lumière. Il part une clé là-dedans. Et puis, cinquième bagage, nous parlons avec Timounio. Comme c'est pour moi, non seulement c'est pour moi lié, et lui c'est pour moi-même, il faut prendre soin. Parce que si nous avons un bagage, nous ne pouvons pas prendre soin. Qui est capable de bagage ça? Réponds-moi. La gâter. Mais comment on peut faire gâter? Nous parlons de nos bêtises, nous tellement pas prendre soin pour nous. Ils sont tombés, ils ont des boutons, ils sont malades. Il faut prendre un petit du fait que nous devons protéger comme nous, pas jouer avec un gros soleil chaud. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Pas parce là. Et puis, le sang, pour le petit monde protéger. Lui-même, la prend même Paul parce que Paul belle, la prend même l'autre ami, tout parce que nous apprenons à dire, moi, et puis, la prend à dire, moi, et puis,
Et sans que nous permettions, si nous nous annonçons des dilemmes, ils vont pas nous remettre faire en Haïti. Et tel c'est madame, et tel c'est madame, pendant que nous sommes tout petits. Moi, si j'étais victime de ça, j'étais 42 ans. Peut-être que je vais oublier ça. Je vais dire, madame, vous avez fait mon malhonnête. Je vais comprendre ça. Comprends? Depuis le samba, j'ai mis bon j'avais jusqu'à maintenant. Divorcé. On va dire ça, ça le défaut. Bon, j'ai fait mon malhonnête, c'est parce que moi j'étais tout petit et j'étais mon bébé qui était mon bébé. Du fait que j'ai 2 ans, donc. Et là, je dis Marie, et puis Marie, là, quand il m'a fait pied bonheur. Et puis, par exemple, il doit m'ouvrir, et puis, saute là, tu dois. Voilà, tu comprends ça, tu es tout petit. Et puis, tout petit, je suis après ça, je suis remarqué. Et puis, peu de temps après, maman me dit, aïe, pour tel bagage pour un tel. Je dis, non, papa, il dit, oh, madame, on me dit, non, il n'y a pas madame encore. Si, mais là, tu es pas mal de moi encore, et puis c'est le samedi après même à la veille, et puis il va me mentir pour me dire non. Oh, écoute, oui, c'est un défaut. Voilà, puis une fille qui était au malais. Comprendre, maman, là, il a demandé si c'est le menti me fait. Donc, une fille qui est au malais, puis tu vas parler comme ça. Comprendre? Oh, vite, peut-être que mon chapitre, moi-même, ça. Donc, ça veut dire, il faut que mette les limites au petit monde. Donc parce que c'est ça yo, qui est important pour nous faire timoun yo. Nous c'est très simple pour nous parler timoun de sexualité. Est-ce que nous sommes complexes? Oui. Les complexes? Est-ce qu'il est complexe? Les difficile pour nous parler timoun de sexualité qu'on y a là? Non, c'est simple pour nous dire avec yo. C'est béaba, c'est pour timoun. Comment nous faisons? Son famille, nous devons yonner mais l'autre. C'est ça qui fait nous gagner un lien. Et nous devons apprendre à mettre respect.